Bonjour à tous et bonjour à tous. Merci de votre accueil. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup. Petite histoire, car il en faut de temps en temps. Au bureau, personne ne le voyait, tout le monde ignorait. Dans la rue, on lui marchait dessus. Dans les magasins, les gens, ils lui passaient devant. Ses voisins, ils lui parlaient pas et puis il n'avait pas de femme. Et puis un jour, il est devenu la star de son quartier. Tout le monde voulait l'approcher. On lui faisait des sourires, on lui parlait, les femmes se l'arrachaient. Il avait tout simplement gagné 10 000 euros dans Attention à la marche. Et c'était devenu une véritable star, comme celles qui vont peut-être descendre aujourd'hui. Je nomme Frédéric. Salut Fred. Bonjour. Accueillons Bruno. Accueillons Josiane. Bonjour. Salut Josiane. Bonjour. Et accueillons enfin Benoît. Ils ne sont pas encore des stars, mais de toute façon, ce sont les maîtres de notre émission. Ce sont eux la clé de la bonne humeur. Bonjour à vous. Fred vient d'où ? Marseille. Marseille est avec nous aujourd'hui. Bruno vient de ? Du Nord. Le Nord ? À côté de Cambrai. À côté de Cambrai. Où ça précisément ? Saint-Souplet. Saint-Souplet. Bienvenue à Saint-Souplet. Josiane, vous venez de ? Chartres. Précisément Chartres ? Chartres. Eh bien, écoutez, apparemment, il y a la famille qui est là également. Et Benoît, les bases ? Je viens de la région de Pau, exactement Bénéjac. Un tout petit village où il y a plus de vaches que d'habitants, malheureusement. Eh bien, Bénéjac, comme c'est mignon ! Et c'est sympathique. Nous, on a nos petits potes, et puis la première question nous dit sur 100 Français, combien prétendent rapporter à la police, je dis bien prétendent, un portefeuille trouvé avec les billets qu'il contient? Ils le prétendent, hein, je tiens à le préciser. Fred. Moi, j'ai mis 15. 15 prétendent. Ouais, ouais. Ils prétendent. Ouais, ouais. Vous croyez qu'ils le font quand même ou... Non, mais ils prétendent. Vous, vous trouvez le portefeuille avec les billets? Bruno, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez un portefeuille? Bon, je le ramène. Ah. Avec les billets? Avec les billets? Ouais. Eh bien, vous voyez comme quoi, entre Marseille et Cambrai... Bruno, vous avez répondu? 25. Matin. Ah, vous avez trempé un peu. Vous avez mis 225, vous avez mis deux fois le 2, mais c'est le début de l'émission. Donc, on marque 25. Merci. Parce que c'est vrai que 225 sur 100, ouais, ça faisait peut-être un peu... Ouais. Mais ça va aller. Ça va, Bruno? Ouais, ça va aller. Ah, je vous sens un peu... Non. Oh, un petit peu quand même. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Boulanger. Boulanger. Et vous vous levez tous les matins tôt ou pas? 5 heures. 5 heures du matin. Bien. Josiane. Oui. Vous avez répondu... 15. 15. Benoît, combien prétend... Il a le petit sourire des Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Vous avez mis combien? 11. 11. 11. La réponse à cette question prétende... 57. Alors, ça fait les affaires de Bruno, l'ami boulanger, mais... Je tiens à le préciser, c'était prétendre. Hein, c'était pas avec 15 000 euros dedans ou quoi, ou caisse. Mais c'était, ils prétendent. Il y en a un sur deux qui dit, moi, je ramène tout avec tout. Désolé pour Benoît qui va perdre le pote des Pyrénées-Atlantiques. Vous avez dit comment le petit village? Bénéjac. Où il y a plus de vaches que d'habitants. Voilà, tout à fait. D'accord. La deuxième question, eh bien, en cette période, est la question fou. Eh oui, mais c'est la question de Tchabao. Combien de buts a inscrit Michel Platini en équipe de France de football, hein? En équipe de France.
Sous la papote, sous la papote. La question est pour l'ami boulanger de Saint-Souplet. 15. 15. Oh, le public n'a pas l'air d'accord avec vous. Voilà. Josiane? 35. Je connais rien du tout en foot. Ah, ils ont l'air un petit peu plus d'accord. Ben, moi, il me semble que j'ai vu un peu gros, j'ai mis 86. À 86 buts? Ouais. Ah. Mais je suis pas du tout un fan de foot, donc c'est peut-être pour ça aussi. Vous êtes plutôt rugby? Non, hand. Handball? Voilà. Avec les Barjots et tout à fait. Toute l'équipe de France qui ont été championnes du monde tout de même. Fred? 18. 18 buts. La réponse à cette question est de 41 buts. C'est Josiane, la seule femme. Et je connais rien en foot. Comment? Et je connais rien en foot. Et vous n'y connaissez rien. Et vous avez un mari qui se... Un mari, mais qui ne regarde pas le foot. Il ne regarde pas le foot. Bah non. Vous avez des enfants? Oui, 5. 5 enfants. Bah écoutez, Josiane, eh ben, coup de chance pour vous, alors, ouais. Ce 35. Benoît, c'est vous qui avez explosé avec les 86. C'est clair. Et alors les Pyrénées en Atlantique, en deux réponses, plus de zizi. De suite. Les deux zizi sont retrouvés dans les Pyrénées. Ouais. Désolé, Benoît, on va quand même c'est vous offrir un cadeau. Et merci d'être merci venu. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Eh bien, merci bien. Les Pyrénées Atlantiques, le voici le cadeau. Pour garder un joli teint allé toute l'année, votre bronzage de cet été, il vous faut préparer. Voici pour plaire une jolie lampe solaire. Vous allez bronzer sous le sunlight. Merci et bon retour, Benoît. Merci. Au revoir, ciao. Et sans plus attendre, question suivante, c'est une question record. Quel est en kilomètres le record de France de distance parcourue en montgolfière? En montgolfière. Je vais vous définir, Jean-Luc, la montgolfière. Oui, définissez-nous la montgolfière. C'est un aérostat. Oui. Dont la sustentation se fait à l'aide de l'air chaud. Oui, d'accord. Donc on met de l'air chaud dessous. Voilà. Et après on tend la toile. C'est un foyer qui est situé sous le ballon. Bien. Je vous remercie bien. Josiane. Oui, 850. 850. Frédéric. Alors je me suis trompé. Mais j'ai trompé. Je voulais mettre 100 et j'ai mis 1007. 1007, aïe aïe aïe. 100, en fait. Bruno. J'ai dû mettre 1000, moi, je crois. Vous avez mis 1000. Oui, vous avez mis 1000. La réponse à cette question est de 453. Ben, c'est encore Josiane qui est la plus proche, qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est excellent, tout cela. Et désolé pour Frédéric, qui va perdre un blue spot. Jean-Luc. Mais heureusement, ami marseillais, il vous en reste. Oui, Bariton. Alors ce record, c'était le 16 février dernier. Ce sont les frères Lay qui ont pulvérisé le dernier record entre les Ardennes belges et l'Orne. L'Orne étant un département français en Normandie. Bien, merci infiniment. Département de l'Orne, numéro 61. Bravo, Bariton, je vous reconnais bien là. La question suivante... Alors, bon, c'est toujours la question. Est-ce que vous avez déjà fait... Vous avez 5 enfants, Josiane? Oui. Un endroit totalement fou. Non. L'endroit le plus... Le lit. Que le lit. Vous, Frédéric, un endroit à Marseille, un endroit un peu rigolo. Sur la plage, hein? Non. Sur la plage? Oui. Bien. Vous êtes venu avec une amie? Oui. Qui se prénomme? Sandrine. Oui, bonjour Sandrine. Mais c'était pas avec elle, hein? Je d'accord. Ok, on l'a dit. Eh, hey, tout va bien, Frédéric. Ça va bien. Sur la plage? Oui, ensoleillé avec les coquillages et tout ça. C'est... Et tout ça. D'accord. Pendant la nuit ou pendant le jour? Toute la nuit. Le jour, il y a beaucoup de monde à Marseille. Sur plage. Genre, excusez-moi. Bruno, ami boulanger? Ou en voiture? Ou sur la petite table de salon que ma belle-mère m'a payé. Comment ça que ma belle-mère m'a payé? Bah, faut les tester. Mais écoutez, franchement... Bruno, c'était pas en conduisant quand même? Non. Ah bon, d'accord, bien. La question coquine, la voici. Elle est
est très rigolote. Écoutez bien, il y a deux hommes et une femme. En moyenne, combien de fois par jour un homme se gratte les parties sensibles de son anatomie? Qu'est-ce que vous entendez, Jean-Luc, par partie sensible? Eh bien, écoutez, la même chose que vous. Mais oui, moi, toute mon anatomie est sensible. Oui. Bruno, vous avez répondu, ami boulanger de Saint-Souplet. Cinq fois. Cinq fois. Oh, adieu. Qu'est-ce qu'il y a à Marseille? Marseille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ouais, mais c'était sans français à Marseille ou ailleurs? Parce qu'à Marseille, on se les gratte souvent. Hein, mais souvent ou... Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Vous avez marqué combien? 136. 135. Josiane, vous avez combien de garçons à la maison? 4. 4 plus le mari. 4 plus le mari. Vous avez 5 garçons. Et vous avez répondu? 25. 25. La réponse à cette question est de 4, c'est Bruno, l'ami Bruno qui est le plus proche. Mais oui, et oui, tout va bien. Désolé pour Frédéric, parce que... C'est pas grave. Apparemment, à Marseille... Ça fait, oui, ça fait 17 fois par heure à Marseille. Moi, au bout du jour, on ne compte plus maintenant. Et là, malheureusement, on va compter 1, 2, 3, 4. On va compter 4 passeports pour Marne-la-Vallée. Pour vous, amis marseillais, pour être venus à Paris. C'est gratuit et c'est offert par Attention à la Marche. Merci. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Ouais, très sympa d'être venu de Marseille. Ouais. Quel arrondissement, Marseille, vous êtes? Moi, je suis sur Allo. Sur Allo? Mmh. Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui vous attend au téléphone, apparemment. Au revoir. Allo, ciao. Eh bien, écoutez, dans un élan, nous allons passer en compagnie de Bruno, l'ami boulanger, et Josiane, heureuse maman de 5 enfants, sur la deuxième marche. Alors, Josiane, vous êtes venue avec votre fille? Oui. Elle se prénomme comment, votre fille? Caroline. Caroline, bonjour, Caroline. Et Bruno, vous êtes venue avec qui? Sabine, ma femme. Sabine, mon épouse, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 9 ans. Oui, bien, je vois bien. La première question, vous allez souvent dans le dictionnaire, Josiane, quand vous ne savez pas les noms? Justement, sur 100 français, Josiane, combien cherche systématiquement dans le dico les mots qu'ils ne connaissent pas et sait très bien de le faire? Sur 100. 45. 45 cherche dans le dictionnaire. Moi. Vous diriez moi? Est-ce que de temps en temps, vous allez dans le dictionnaire quand même quand vous allez chercher les mots? Non. C'est bien de le faire quand même pour la culture générale. Et la réponse à cette question est de 59, bravo Josiane. Ça monte pour vous. Bientôt l'heure du déjeuner. Qu'est-ce qui se vend le mieux en viennoiserie, Bruno, en tant que boulanger? Les pains au chocolat, les chaussons. Le croissant. Les croissants. Mmh. D'accord. Vous faites des bons croissants au beurre, vous? Non. Non. Vous faites que du pain? Ouais. Que de la boulangerie? Des petits bâtards. Des petits bâtards, viens, ok. Et vous, Josiane, une petite recette de cuisine que vous aimez à faire en famille tout, avec vos 5 enfants? Les quiches, Lorraine, les tartes, les gâteaux quiches, au chocolat, tout. Bien, tout. C'est vrai qu'avec 5 enfants, ça ne doit pas être évident. Qu'est-ce que dit, Caroline? La mousse? Le couscous. Le couscous. Ah, vous faites bien le couscous? Oui, pareil. Bien. Vous demandez aux personnes que je reçois. Bien, eh bien, vous êtes fine cuisinière. La question va nous parler de l'homme qui fut le plus léger de tous les temps, quel était en kilos son poids? On va en parler bien sûr avec Bariton, mais pour ne pas vous induire en erreur, Bruno, on va vous laisser répondre. 20 kilos. Combien? 20. 20 kilos. Josiane, le plus léger de tous les temps? La plus. Plus de 20 kilos. Ouais, c'est un riche.
Oui. Petite information. Eh bien, il s'agissait de Edward C. Hagner. Oui. Qui mesurait 1m70, dit Eddie Master ou Skeleton Dude, et pour 1m70, il pesait 22 kilos. C'est plus. 1m70, 22 kilos. Oui, très fil de fer. Bien. Troisième question. Bien. Cinq enfants, Josiane. Oui, toujours. Bruno. Petite fille. Petite fille de combien de mois? 17 mois. 17 mois. Nelly. Nelly. Très mignon. Le pape a dit un truc. Le pape a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, le pape? Que l'acte d'amour... Sans être marié. Sans être marié. Josiane, marié. C'est un péché? Je sais pas, non, je pense plus à l'heure actuelle, non. Vous pensez plus? Non, non. Eh bien, justement, combien de papes étaient eux-mêmes des fils de papes? C'est une bonne question. Ah, c'est une excellente question. Elle est de Thomas Séminel, un de nos auteurs nombreux et variés. Six. Papes étaient fils de... Pape. Papa. Bruno? Moi. Oh, bah, vous avez vu comment vous me regardez? Vous êtes moi. Allez-y, répétez. Moi. On peut les nommer, peut-être, non? Eh oui, cela paraît curieux, mais il y en eut, il y eut... Oui, parce qu'ils sont pas pour, en plus. Non, mais à une certaine époque, vous savez, les mœurs étaient un petit peu olé olé, libertine. Ouais. Bah ouais. Alors, il y eut Saint Innocent Ier. Ah bah, tu m'étonnes du nom. Qui était fils d'Anastase Ier. Anastase? Oui. Ça s'attrape, non? Non. Non. Saint Silvérus, qui était lui-même fils de Saint Hormisdas. Saint Silvérus? Oui. Ah bah, ça s'attrape, ça, hein. Jean XI, fils de Serge III. Serge III. Et c'est tout. Eh bien, ils étaient trois, c'est moi, Bruno, bravo, ça monte pour vous. Comme quoi, hein, ils étaient fils de pape, et puis bon, et puis voilà, quoi. Mais on dit rien, hein, Bariton, on dit rien, parce qu'on dit rien, c'est chacun sa croix. Absolument. Bien. La question suivante va nous parler de... J'ai le mal de mer, vous, Bruno? Je sais pas. Le mal de mer? Je pense pas, non. Vous êtes jamais monté en bateau? Non. Josiane, le mal de mer? Oui. Bon, merci Josiane. Sur 100 Français, combien justement ont le mal de mer? Bruno, chacun son tour. Sous les yeux de votre épouse Sabine, vous nous dites... 45. 45 pour le mal de mer. Josiane? Plus. Vous diriez plus, c'est la réponse à cette question. Sur 100 Français et 2. Ouais. 25, c'est moi. Bruno, ça monte pour vous. Votre épouse, elle est contente, hein? Ça se voit, hein? Ça se voit, hein? Et nous allons bien sûr faire les comptes. Et on s'aperçoit que vous avez les potes à égalité. Ça va aller, Bruno? Ouais. C'est-à-dire que vous allez peut-être, Bruno, monter sur l'escalier. Ou peut-être vous, Josiane. Tout dépend de la question en or. Combien de villes nommées Alexandrie fonda Alexandre le Grand? Josiane, ce sont des questions maintenant difficiles. Il faut vous départager. Certes, il y a peut-être de la chance, il y a peut-être de la culture. Plus on... croix dans l'émission. 35, j'en sais rien, je connais rien du tout. Plus c'est difficile, vous me dites. 35, je connais rien du tout. 35 villes. Bruno, tous les bouts Langers vous regardent. Moins. Un petit peu de culture. Avec... Bien, vous savez que Alexandre le Grand eut un grand empire jusqu'à l'Indus. Fils de Philippe II, roi de Macédoine, mourut à Babylone. Bon, la plus célèbre est Alexandrie d'Égypte, mais il y en a en tout 23. Il est heureux, l'ami boulanger, son épouse est aux anges, elle tape des mains comme ça, elle sourit comme ça. Eh oui, c'est qu'une épouse de boulanger est ravie. Merci à Josiane pour la France, pour ses 5 enfants. Écoutez bien, vous allez pouvoir les filmer en long, en large et en travers, vos enfants. Un caméscope numérique pour vous.
Réalisez vos propres films grâce à ce caméscope numérique muni d'un écran à cristaux liquides couleur offert par les magasins Pro et Compagnie. Merci à vous, Josiane. Et puis notre ami Boulanger donc va sur l'escalier à mes côtés. Montez. Bruno, bravo. Merci. Sympa. Je vous propose 250 euros, sympathico. Et ça fait longtemps que vous êtes boulanger. Parce que moi, c'est une profession que j'adore, enfin, je respecte, parce que moi, je vais pas faire tout de même le Jean-Pierre Coff de base, mais je me dis quand même que tous ces gens qui sont boulangers, qui se lèvent aussitôt pour du bon pain, alors qu'il y a plein de pains industriels dans les grandes surfaces, moi, je vous tire mon chapeau, monsieur. Parce qu'un bon pain vient de chez nous, eh ben, ça vaut bien un bon pain vient de chez nous. Parce qu'en France, quand on voyage un petit peu, bon, moi, j'allais dans quelques petits voyages comme ça, de gauche à droite, et on se dit, oh, le pain français est merveilleux. Mmh. Et quand il est tout juste sorti du four, c'est vrai qu'on a un pain en France quand même extraordinaire, non? Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, merci de votre vivacité, merci. Ouais. Pas de quoi. Et nous vous convions à la première marche où il y a 500 euros. Allons-y. Nous vous convions sur la première marche et non à la première marche. Ah, William Scheller, je cours tout seul. En athlétisme, les épreuves de fond commencent à partir de 2005 ou de 5000 mètres en athlétisme. Je dis bien les courses de fond, Bruno. Un sport, si vous concerne, non? Vous avez pratiqué du sport? Foot. Foot? Mmh. D'accord. L'athlétisme un petit peu, non? À l'école, juste à l'école, quoi, peut-être? Bon. Moi, du hand, du basket. Et... D'accord. Donc, il y a les courses de fond, donc, les courses de demi-fond, vous le savez. Course de fond, à votre avis, combien de mètres? 2005 ou 5000? 2005. 2500 mètres? Bien. Votre épouse nous dit? Oui, bien, 2500 mètres. Petite précision Eh bien, les courses de fond commencent à partir du 5000 mètres. Ah! Et le 2005, d'ailleurs, ça n'existe pas. C'était un petit piège. Ah, d'accord. C'est donc, nous avons le 5000, nous avons le 10000, nous avons le marathon, nous avons le 20 km marche. Et quand on dit demi-fond, c'est quoi? C'est 2000 mètres, non? Ça commence à... C'est ça. Ou 3000? 1500 mètres, 3000 mètres steeple. D'accord. Désolé, mais on garde quand même les 250 euros. Et nous allons monter sur la marche suivante. Ça va nous rappeler Astérix. Les aventures d'Astérix furent portées sur grand écran. Sur grand écran. Donc ça veut dire dessin animé, mais également plus les deux films long-métrage, hein, qu'il n'y ait point de confusion à mi-bariton. Hein. Tout à fait, Jean-Luc. Dont celui qui vient de sortir, réalisé par Alain Chabat, avec Jamel Debbouze et tout et tout. Combien de fois, 9 fois ou 11 fois en tout, film et dessin animé, vous réfléchissez tranquillement? Neuf ou onze? 9 fois. Vous diriez 9 fois. Bien. Votre épouse dit quoi? 9 fois. Vous êtes avec Bruno ou... Ouais. Ah, tata. Bien. Je sais pas. La réponse est... Mais oui! C'est la bonne réponse! Oui, Jean-Luc. Il y eut 7 dessins animés et 2 films avec des acteurs en chair et en os, qui sont Astérix et Obélix contre César et le dernier, Mission Cléopâtre. Tout va très bien. Nous vous offrons donc 500 euros pour vous, amis boulangers, de Saint-Souplet, et nous montons faire un joli voyage sur la...
se situe à combien de mètres d'altitude? Soit 540 mètres, soit 5140 mètres. Le point le plus élevé. Concentrez-vous, je vois que vous êtes concentré. Vous pensez, dites-moi. Allez, 5140 mètres. 140 mètres. Est-ce que le public est d'accord? Ah non, il n'est pas d'accord. Est-ce que votre épouse est d'accord? Elle est seule à être d'accord avec vous pour les 5140 mètres. C'est pour ça que je suis mariée avec. Comme c'est mignon. Eh ben, écoutez, ça, c'est une déclaration d'amour à la télé où je ne m'y connais pas. Le point culminant du pôle sud se situe à... C'est la bonne réponse! En effet, Jean-Luc, une petite précision. Le pôle Nord, l'Arctique, c'est une mer, la banquise. Mais le pôle Sud, c'est l'Antarctique. C'est un continent recouvert de glace, donc il y a des montagnes. Et le point culminant, c'est le mont Vinson. Le mont Vinson, eh bien, vous rapporte tout de même 500 euros par deux, 1000 euros. Je dis quand même que ça va bien pour vous. Ça va même très bien. Génial. Et on va tenter de faire le grand saut et je sais que pour l'ami boulanger, 5000 euros seront les bienvenus. Ils sont sur la dernière marche. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Parce qu'on passe une très bonne matinée, tout ça. Impeccable. On va vous offrir un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose des programmes des 95 chaînes du câble du satellite et ainsi qu'un bulletin de participation pour participer à l'émission parce que pour participer à notre émission, ce serait idiot. Et nous allons ouvrir... Vous aimez les pommes? Ça va. Les pommes. Manger les pommes. Eh bien... €5000, hein, Bruno, hein? En quelle année furent créées les pommes golden? Première date. 1616, 101 ans après Marie. Deuxième date, 1716, 201 ans après Marie. Et un an après la mort de Louis XIV. Que nous saluons d'ailleurs, car je sais que de là où il est, il nous regarde. Bonjour à toi, Louis. Troisième date, 1816, la pomme golden. Dernière date, 1916. Alors là, ça va? Ouais. Vous avez une préférence de date? 1816. 1816 pour un premier choix, d'accord. C'est du premier choix de pomme. Bien sûr, c'est de la golden, c'est normal. Les spectateurs appuient sur leur télécommande. Non pas sur le 3 ni sur le 4, qui ne servirait à rien. Sur le 1, si oui, d'accord. Sur le 2, sinon, pas d'accord. L'ordinateur dit pas d'accord, à 57%. À 57, l'ordi dit pas d'ac. L'ordi dit pas d'ac. Que dit Sab? Moi, j'ai dit que c'était bon. Vous disiez que c'était bon, mais l'ordi dit pas d'ac à 57%. 57, c'est une bonne année, mais bon. Là,
Vous hésitez entre quoi et quoi, dites-moi. 1916. Ah, 1916. Ah. Ouais. Alors, Bruno, est-ce que l'on choisit 18 ou 1916? 1916. Vous changez 1916. Est-ce que le public est d'accord avec 1916? Ah, oh, aïe, 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 ils sont pas d'accord avec 1916. Aïe, 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 aïe. Première date avant 1916 que vous voulez dévoiler, ami boulanger. 1716. 1716, y a-t-il 5000 euros? 5000 euros derrière, 1716. 5000, hein? Mmh. La pomme golden n'a pas été créée en 1716. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions. 16-16. 16-16. La pomme golden, vous ménagez le suspense jusqu'au bout, en fait, hein, parce que vous aviez choisi 1816. 5 000 euros, peut-être. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, Jean-Luc, avant la fin, il faut que je vous dise que la Golden ou Golden Delicious a vu le jour en Virginie. Première variété américaine importée en France et celle qui est produite en plus grande quantité. Merci de cette précision, baryton. Y a-t-il aujourd'hui, ami boulanger, 5000 euros derrière la création de la pomme Golden en 19... Est-ce que vous vous sentez bien, ça va? Ça va. Ça va? Je le sens. Regardons tout de suite. La réponse est... Hey 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 la femme... Oh là là!